Coucou tout le monde, Bonjour Roberto. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur la route pour aller tourner le clip 18. 18 à Hasselt. Et la petite particularité aujourd'hui, c'est que l'interview va être réalisée en flamand par Serge. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Hasselt, c'est par où Roberto? C'est par là. Allez, let's go! Goedenavond iedereen. Ik ben Serge van de Sette Belle Optique. Ja, want er is nog een speciaal volk hier en dat zijn de vrienden van Lessen Bello. Dus die zijn ook hier voor vanavond. Maar dat is voor straks. Dan gaan we straks nog eens even live gaan. Dus houd het nog even in de gaten. En voilà, kijk. Bonsoir. C'est déjà un ami de cette Bello. Quand il y a le break chez nous, sorry voor mijn beste Frans, on va aller live encore une fois. Okay. Des perdants. Moi, pour ma part, c'est perdre de 4 contre As Dame, on le verra. Il fait sa dame à la turn. Qu'est-ce qui se passe rien, je suis bien monté à 250 et puis après, le problème, c'est que j'ai un peu trop. Gamblé. Non, pas du tout, mais je suis tombé. J'ai un peu oublié qu'il était avec tout et rien. J'ai commencé à avoir des super mains et par exemple, j'ai As Dame. Et je me fais une grosse colonne et je suis collé pour faire les notes de cœur. Il va se faire 3 cœurs au flop. 60-40, hein. Voilà. Et puis, mais bon, déjà, failli avec Valet 9, c'est limite. Je la grosse colonne. On va pas critiquer. Non, chacun fait ce qu'il veut. Oui, oui, voilà. Cela ne nous regarde pas. Et après, une vilaine rencontre. Un 6 contre un 9 et un flop 1 contre 6. Double pair contre double pair. Et à la terre, j'ai un 4ème trèfle. Je le mets au line et il a même pas peur des trèfles. Voilà. Et on buzz tranquille. Non, après on est short et puis on attend, on pousse et on touche pas. C'était les mots de notre ami Christian qui me troll toujours sur mes publications. Nous sommes donc ici à Poker Party avec Johan Olaerts et Didier Van Doren. Dus Didier, kunt u je voorstellen? Bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Wat is uw beroep? Getrouwd, 2 kinderen. Marié, 2 enfants. Eigenaar van een fantastische computerwinkel, CompuCity. Et propriétaire d'un magasin fantastique, CompuCity. In Oesselt. Ah, Oesselt. En jij? Ik ben Johan Olaerts, lid van Poker Party uiteraard. Ik ben Purchasing Assistant in Bree. Dat wil eigenlijk een beetje zeggen, als jullie worteltjes en ertjes kopen, uit glas, uit blik, dan komen die hoogstwaarschijnlijk van bij ons. Dat doe ik als beroep. Bon, monsieur et manager,
Waar ben je van? Van Grignard en Bré. Van Bré. Tout le monde sait bien que Bré, c'est la patrie de Kim Kleisters. Voilà. Voilà. Exactement. Dus, wat is de datum van de opstichting van de club? Dat gaat 2020 zijn, denk ik. Zoiets. 2020 alleen ja, maar? Ja. Ik ben al eerder bezig met Hollywood Poker en zo. En was dan, dus, Poker Party bestaat vanaf 2020. De naam Poker Party. Ja. Daarvoor had het nog een andere naam, maar Poker Party vanaf 2020. Donc, Poker Party existe depuis 2020, maar vroeger was dat Hollywood Poker. Niet Ace of Spades? Nee, Hollywood Poker. Hollywood Poker. Ja. Avant, c'était Hollywood Poker. Dus wat zijn de competities, de toernooien dat je organiseert hier? En welke dag van de week? Ja, we spelen elke maandag en elke vrijdag. Op maandag hebben wij, Didier verbeter mij als ik fout ben, tussen de 65 en 70 man. Op vrijdag hebben we gemiddeld tussen de 80, 90 man ongeveer. Ja. En één keer in de maand spelen we een high roller. Dat is meestal met een buy-in van €50. En dan is het natuurlijk, dat is op zondag namiddag, dan beginnen we om 1 uur. En dat is een hele namiddag lekker amuseren. Oui, il faut vous dire que Johan aime beaucoup parler. Donc, on le laisse parler. Mais normalement, c'est pas si long les interviews. On te demande quel jour tu joues. Ben, on joue lundi et jeudi. Oh, voilà. Et voilà. Et le lundi, on a entre 60 et 50 et 75. 60 et 70 participants. Et le jeudi, on a entre 80 et 90 participants. Voilà. And hoe zullen jullie doen om meer spelers hier te proberen te laten komen? Ja, we maken heel veel reclame en we doen speciale acties. We hebben ook onze beker World Championship voor Belgian Poker Players. Ik ga het halen. Dat is binnenkort in juni. On fait mooie beker. On fait beaucoup de publicité. On essaie d'attirer les joueurs ici. On a quelques challenges un peu intéressants. Zoals de Belgian World Championship for Belgian Poker Players. Ah ben voilà, c'est beau, hein, dit. La coupe de World Championship for Poker Party Players. Dat is, denk ik, 25 juni. Ja. Ja. Dus wat denk je van de nieuwe legislatie betreffende de buy-in? Dat is 50 plus 50. Dat is goed geweest, hè. Dat is, u bent het voor. U bent ik ben voor. Je ziet spelersaantallen, spelers zijn tevreden dat het, ja, 20 was een beetje achterhaald. Want die betalen met alles, ze zijn stelling in rust. Je moet hier niet bij doen, hè? Ja, Didier est 100% pour, en Johan ook. Ja, 100%. Parce que ça permet à plus de joueurs de jouer. Et évidemment, ça fait un prijs assez intéressant. Donc, wat denk je van het bezoek van de team Sette Bello? In je team. Geweldig. Jullie mogen iedere week twee keer komen. Dat is on peut venir chaque semaine, deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Dus, voilà. Een kleine woord om te eindigen. Ik vond het zeer aangenaam dat jullie hier zijn. Ik heb er enorm van genoten, van jullie bezoek. Ja, nu moet ik even stoppen. Ja, dat gaat weer. Il parle de trop, Johan. Il trouve très agréable qu'on soit venu. Il aime bien. Et si on lui laisse le micro, il va parler encore pendant 20 minutes. Voilà. Mais si tu veux, thank tu peux parler en français. Thank you. C'était le mot de la fin. Bien joué. Merci à tous.